Président Vladimir Poutine, à l'occasion de l'inauguration du cinquième terme, ou bien dit cinquième terme, ça veut dire, définitivement, M. Zonwa, ça fait cinq fois, ou bien tout, il retourne ce pouvoir. Mais M. planifie, ça dit, drill nucléaire. Donc, on parlait de M. en fait, son grand-père, M. parlait de et entraînement et pour tactical nuclear ZAM. On dit c'est une nouvelle scène, une nouvelle tension qui ouvre là. On a parlé des armes nucléaires. Kremlin accusé Western leaders, notamment livré Edward Pusli sous la France. La France nous connaît depuis quelques semaines. Dans une déclaration fracassante, côté qu'il dit pas il y a des possibilités pour t'envoyer soldats à la bataille. Donc, Vladimir Poutine dit c'est Western pays qui a mettez l'huile sous du feu, sous guerre en Ukraine. Ok? C'est premièrement, on dit, en fait, déclaration en France, et on a changé dernièrement là tout, les États-Unis qui viennent en force, qui ont back-up Ukraine. Et pendant que Poutine t'a réuni avec mon gouvernement, jeudi, lundi, pour te préparer, on dit, nouveau terme, nouveau mandat, qui est le commencer jeudi, lundi, le ministre de la Défense a annoncé que il va le mettre dans la rue missile stratégique nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères a demandé pays l'Allemagne, ambassadeur de la France, justement, pour yon ta fait back. Et vous voulez voir un message clair, un message fort, que là aussi, pas fait back, et que là aussi, justement, a renforcé position. N'a parlé de tactical nuclear weapon qui désigné pour bataille qui capable de détruire toute une ville pendant qu'on a une distance entre deux continents. Pour parole que nous dit que ça l'a fait journée aujourd'hui, c'est une réponse pour la France, pour l'Allemagne et pour déclaration des États-Unis sur la guerre en Ukraine. Président Macron qui lui-même paraît un petit Jean plus chauffé devant Bonnan lorsque les autres posé la question est-ce que lui pas retiré possibilité pour voir tout il dit pas retiré possibilité ça mais faut nous tout après déclaration ça il y a un pile pays et même NATO tout un pile l'autre pays qui était fâché il pensait que la France allait trop loin. Ça c'est un nouvel niveau qui gagne dans tension ça. Une guerre sans piternelle qui pas jamais fini, une guerre en précédente qui méritait une attention spéciale. Maintenant, faut nous dire que faut être clair. Les armes nucléaires, ils ont toujours servi une sorte de dissuasion, découragement pour nous dire attention à les armes nucléaires. Mais ça pour nous comprendre dans l'histoire ça. S'il est vrai que faut être clair que là aussi, pas t'as même fait une guerre nucléaire, mais non jouer. C'est comme si nous avons au fur et à mesure, nous avons joué avec des faits. Au fur et à mesure, nous avons franchi des limites et nous avons demandé qui j'en bagaille ça, fini et qui côté la privée. Parce que personne ne peut pas faire une guerre ça. Ok? So, et vraiment, ok? Gagne une détermination extrême de rester en contrôle pour que à tout prix yo fait ça n'arrive on capable dire son proxy wa yon guerre à proximité puisque la vérité c'est les États-Unis, la France et d'autres pays qui battent avec la Russie par l'intermédiaire en utilisant bien entendu Ukraine comme yon intermédiaire, c'est ça qu'a fait là. Mais on sentit au fur et à mesure n'est qu'il va franchir une limite. Au fur et à mesure. Parce que l'autre fait histoire de la guerre. Et c'est ça que vous comprenez. Que ce soit fait histoire de la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Ce n'est pas de manière intentionnelle, non? C'est action qui conduit à réaction et puis bride sous coup ou débarquer son guerre. Donc, Poutine même, il veut faire clair avec toute l'autre nation. Ok, lui-même. Zone ni kembe ou kembe ou net. Et que Poutine veut faire comprendre que guerre ça, c'est une guerre pour la survie de la Russie.
Pas oublier que là, on a parlé de Poutine qui, pour une cinquième fois, bon, je ne sais pas si tu as carré ça. Si tu as carré ça, une élection quelque part, parce que Poutine a le plus loin, il est arrivé à changer la constitution pays pour être capable, justement, toujours capable de renouveler. Ok? Donc, où est Poutine qui est déjà sous presque 25 ans au pouvoir? Il va commencer en l'autre 6 ans là. À partir de 2000 là, en l'autre 6 ans. En l'autre 6 ans. Mais il faut me dire que, aussi douloureux que ça a passé, dans l'inauguration de Poutine, la France a voué diplomate. L'Allemagne a voué diplomate. Est-ce que vous comprenez? Donc, la France a voué ambassadeur dans l'inauguration. En fait, c'est l'Allemagne et Baltic State qui va voir. Donc, quelque part, la France, tout, c'est un conseil stratégique qu'elle fait là. On dit les États-Unis, ainsi que presque plus fort pays dans l'Europe, il y a boycotté et ça a une cérémonie, prestation de serment de Poutine qui suppose fait jeudi, mardi, et qui suppose fait. Donc, il y a sous boycotté. Donc, on a parlé de 6 ans. Et donc, très certainement, Poutine, et en on dit, et, au fur et à mesure, et c'est son royauté qui a bail là. Son royauté qui a dessiné là. Mais il faut me dire que vous voyez pas où aller, toute autorité reconnaît que Poutine comme et président légitime. Et président légitime de la Russie. Donc, voilà son situation qui toujours non instabilité extrême et notamment des monde qui l'est et qui j'en guess après le fini, pas gagne quelle réponse. Ou gagne l'impression que ça, c'est une chose qui a porté avec Fanny, c'est peut-être un. Lors où tu arrivé dans un épuisement de ressources, ça t'avait dit lorsque tous les pays ont rendu compte que la guerre là, c'est fond d'accord que l'on parle de ressources là, effectivement, en pile de ressources. La guerre là, et même lorsqu'autant il a présenté et Poutine comme un super pouvoir, mais l'économie l'a touché en pile. Et d'un côté, il a blessé en pile. Faut nous dire que tous les pays ont. Table pour guerre finir. Mais vous n'avez pas le choix, c'est pas gagné on cap décider by vague. Bon, notamment pour l'Ukraine, même pas d'accord by vague. Même une autre qui fait l'Ukraine pas d'accord by vague, parce que c'est lui qui a un territoire. Parce que Zelensky dit où est un territoire, seul Jean Zelensky d'accord pour la vague, celle-ci ou dit ou absorbe sur territoire. Ok? Celle-ci ou dit ou absorbe sur territoire. Donc, vous sentez que et c'est l'autre arrivé dans une situation vraiment de fatigue, quand écrit tous les pays sont vraiment fatigués, que ça va vaut la peine pour ta propose. Donc c'est peut-être un unique scénario, puisque on se route pour une guerre sans fin là.